T'as un petit peu froid peut-être? Ah mec, j'ai voulu être proche de la voiture. J'ai froid parce que je suis en Laponie et il fait moins 15 degrés. Pourquoi est-ce que je suis en Laponie? Bah je suis là parce que mon pote Romain, c'est dommage qu'il ne soit pas là. Peut-être que si je pouvais faire un petit tour de magie. Ah bah tiens, c'est ouf hein. Ouais, je suis magicien. C'est incroyable. Bah Romain Lanéry de la chaîne Tech News et Test, qui sera en dessous dans la description, tu m'as invité. Ouais, je me suis dit que t'étais la meilleure personne pour tester une voiture et faire un voyage de 3 jours avec moi par moins 15 degrés. Ouais, exact, parce que nous en fait, vous le savez peut-être pas, mais nous on est super bons potes depuis qu'on a 12 ans. Ouais. On était en cours ensemble. Je le connais depuis trop longtemps. Et ouais, en effet, je confirme. Et aujourd'hui on est là parce que Tesla ont une nouvelle voiture, la Model 3, qu'ils connaissent sûrement très très bien. Je suis sûr. Mais aujourd'hui on va la tester sur glace, sur un circuit sur glace. C'est la mer à geler et il y a un circuit dessus. C'est ouf hein. Et on va y aller. Mais d'abord on va la conduire sur route et je pense que tu vas commencer. Il y a beaucoup de choses là, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de neige et trois choses, il y a beaucoup de Tesla aussi. Et ça, il y en a énormément. Ça c'est une Model S que vous connaissez très bien, donc on va pas en parler énormément. Mais avec Romain, on est avec la Tesla Model 3 bien sûr. Celle-ci en bleu. T'es prêt? Trop cool mec. Que je pense que c'est la voiture qui lui va le mieux que j'ai vu de ma vie. Monsieur Tech News et Test. Il y a beaucoup de tech dans cette voiture. Tesla est très souvent dans les news et là on est en train de faire un test. Donc si tu me demandes à moi, c'est la voiture parfaite pour lui. Qu'est-ce que t'en penses? Premières impressions? C'est super agréable, c'est... Tout est assisté. On dirait un gros karting en fait, un gros kart tu vois. C'est vraiment... Non vraiment. Le fait que ce soit électrique, il y a toute la gestion de l'informatique qui est derrière, que tu sens ultra poussé, qui rend la voiture ultra stable avec le dual motor en plus, c'est enfin fabuleux. Voilà, il a tout dit, bah, c'est la fin de la vidéo, merci beaucoup les gars. Vite fait, pour vous montrer l'extérieur de cette voiture, on peut voir donc l'avant est assez différent de la Model S, elle est beaucoup plus petite visuellement de la Model S, mais c'est toujours, on voit qu'elle vient de la famille Tesla, assez similaire, donc les jantes sont presque pareilles, avec les étriers en rouge, très très jolis, les phares à l'avant sont complètement nouveaux, et bien sûr, il n'y a pas de radiateur à l'avant, comme c'est une voiture électrique, donc ça veut dire qu'on a cette ligne typiquement Tesla, très très cool, et aussi on a un coffre à l'avant, juste là, aussi, donc il y a deux coffres, un à l'arrière, un à l'avant, et ça c'est parce qu'il y a aussi deux moteurs, un à l'arrière et un à l'avant, et ça aide avec des systèmes 4 roues motrices et tout, on en parlera plus quand on conduit. Sur le côté, on a les trucs classiques du genre la caméra, juste là, pour le autonomous driving, la voiture qui se conduit toute seule, aussi d'autres trucs classiques comme les rétros à la Tesla, très très beau, les poignées de porte, regardez, ça sort comme ça, donc quand tu fermes, il n'y a pas de poignée de porte qui dépasse, c'est bien aérodynamiquement, mais aussi juste pour le look de la voiture, et à l'arrière, les phares, typiquement Tesla, sauf que là, c'est un peu découpé, au lieu d'être comme sur la Model S, mais elle est très très belle. Et donc celle-là, elle tombe en dessous de la Model S dans la gamme. J'ai très froid, donc je vais rentrer dans la voiture. Parlons de l'intérieur vite fait avant de rouler. Alors, on rentre là et tu vas voir que c'est tellement simple ici. Et très très beau. Moi, je kiffe. Je préfère largement... Oui, ok, du calme. La clé, genre par exemple, regarde. C'est une petite carte. C'est comme une clé d'hôtel. Et tu le poses juste là et c'est bon. Tu peux y aller. Je vais reculer mon siège un peu parce que là, la dernière personne qui était là faisait 1m20. Moi, j'en fais pas bien plus, mais pas 1m20 quand même. Je trouve que cet intérieur est le plus beau qu'ils ont fait. On était dans une Model... Bon, ça, c'est une Model 3. Mais là-bas, il y avait des Model S. Et on était dans la Model S avant. Et franchement, je trouve que cet intérieur, pour une voiture en plus moins chère, est plus beau. Je le préfère. Beaucoup plus simple. Alors, il n'y a que deux boutons, vraiment. Il y a un bouton pour la porte ici et bien sûr pour les fenêtres. Mais sinon, les deux vrais boutons sont ceux-là. Et ils changent de fonctionnalité dépendant de ce qu'on a sur l'écran ici. Donc, par exemple, si là, je me mets ici, steering wheel, ça ajuste après la hauteur et tout du volant. Et après, ça peut la faire sortir et rentrer et tout. Et donc là, c'est comme ça que j'ajuste. Mais après, si je clique par exemple mirrors, left, ça va changer l'angle des miroirs. Comme ça, t'as vu? Ça, c'est stylé. Donc en fait, ça s'ajuste à ce que t'as sur ton écran. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Le volant est plus petit et plus large que sur la Model S et Model X. Et moi, je préfère largement.
Et tout se passe ici. Donc la voiture vient avec une carte SIM dedans à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'elle a son internet. Donc tu peux aller par exemple ici sur le web, ce qui est assez stylé. Tu peux pas faire hotspot à ton téléphone, mais aussi ça veut dire que le GPS, regarde, ça se charge super vite comparé au GPS normal. Et cet écran, pour un écran de cette taille, ils ont vraiment géré. Il a une réponse super super rapide. Et franchement, c'est juste, moi je trouve ça vraiment stylé. Donc t'as toutes les fonctionnalités à partir de l'écran. Tu vois, tu peux ouvrir le coffre avant, le coffre arrière, parce que il y a deux coffres à cause des positions de moteur. On va en parler quand je conduis la voiture. Et voilà, t'as d'autres trucs assez stylés. Là, tu peux mettre ton portable, tu vois. Ou sinon, t'ouvres ici et tu soulèves. Et t'as une poche énorme juste là. Ça, c'est assez cool. Donc après, tu peux le redescendre, tout ça. T'en as une autre là, ici. Et pareil, tu peux soulever ce truc, si je me rappelle. Voilà, t'enlèves ce truc. Donc plein de petits détails comme ça qui sont assez stylés. Bien sûr, t'as les places arrière avec cette vitre énorme au-dessus. Donc t'as seulement cette petite barrière juste là. Mais à part ça, c'est tout une vitre. Et ça, c'est vraiment Tesla, ils le font, c'est les seuls à vraiment le faire pour l'instant. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool, la manière qu'ils l'ont fait. Et après, une chose que vous avez remarqué, elles sont où les entrées ou les sorties d'air pour l'air conditionné? Ben, tout ça, là, la ligne que tu vois, c'est tout une sortie d'air. Donc quand tu te mets ici, tu peux prendre ça et tu décides où tu veux que l'air sorte. C'est pas le truc le plus stylé que t'as vu? Pour un truc d'air conditionné, c'est vraiment, vraiment cool. Je suis vraiment impressionné par l'intérieur, même s'il n'y a pas grand chose à voir. Je trouve ça juste vraiment stylé. Bon, on l'a conduit cette voiture. Maintenant que Romain a conduit, moi j'ai des GoPro dans la main. C'est parce que moi je vais conduire, c'est à moi de conduire la Model 3. Et en plus on est arrivé, regarde ça, sur un circuit sur glace. En gros normalement c'est sur des lacs ces trucs. Mais là ici c'est sur la mer. Donc la mer est gelée pendant des kilomètres. Et on est sur la mer. Donc en dessous de moi là il y a 80 cm de glace. Et après l'eau de mer. Je flippe un petit peu, je vais pas te mentir. Ok les gars, c'est bon, on est sur circuit, on est dans la Tesla Model 3. Et là, on est en train de glisser cette voiture. Donc à conduire, elle utilise le dual motor. Donc il y a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Ils bossent ensemble en fait avec le système 4 roues motrices pour te garder sur la route. Donc si comme moi, t'es sur glace là, et que t'as vraiment besoin, ouais, c'était un gros drift, il y a Romain derrière. Si t'as vraiment besoin d'autant de traction que tu peux... Oh, elle utilise le moteur à l'avant pour un peu mettre plus de grip à l'avant. Mais après si t'en as besoin, il y a de la puissance à l'arrière avec le moteur arrière aussi. Et vraiment avec les pneus, la voiture comme elle est, elle a pas une grosse surface, elle est toute petite. Tu peux vraiment la contrôler assez facilement. Et c'est une voiture qui glisse pas d'une manière assez agressive. C'est une voiture qui glisse d'une manière très contrôlable. C'est comme une danse sur glace, toi et la voiture. Et c'est un feeling incroyable. Le petit volant assez épais te donne beaucoup plus de sensations que sur la Tesla Model S, je trouve. Donc par exemple, là, sur la Model S, tu serais un peu dans tous les sens en train de tourner le volant un petit peu beaucoup. Donc celle-là, on l'a maintenant en mode sport, ce qui veut dire qu'au niveau du volant, il y a un peu plus de poids. Et donc tu sens un petit peu plus. Bon, tu peux voir que ça fait un peu le chasse-neige à l'avant. Mais en tout cas, waouh, pour moi, c'est ma Tesla préférée maintenant. Je sais pas toi, Romain. J'ai mal au cœur. T'as mal au cœur, tu m'étonnes. Derrière c'est horrible. Ouais. Largement assez de puissance. Celle-là, elle fait le 0 à 100 en 3 secondes 5. Ce qui est largement suffisant. Oui, c'est moins que la Tesla Model S qui fait 2 secondes 7 dans la version plus rapide. Là, on est dans la version performance de la Model 3. Mais c'est largement assez pour une voiture qui est dans la même catégorie qu'une série 3 ou une Mercedes C-Class de faire le 0 à 100 à la même vitesse qu'une voiture comme la 458. Il n'y a pas longtemps, c'était une voiture, une 458, 3 secondes 5, on hallucinait tous. Et maintenant, tu as ça dans une Tesla Model 3, pardon, avec toute la technologie qui est à l'intérieur. Je suis très, très, très impressionné. Et la tenue de route, même si on n'est pas sur route, on est sur mer, c'est pas mal du tout. Là, logiquement, on n'est pas en train de faire de la voile, si tu y penses. C'est vrai. On est sur la mer, on n'est pas en train de conduire. On est en train de faire de la voile. Mais non, franchement, je l'aime beaucoup. Et le fait qu'elle soit pas très grande, elle pèse moins que la Model S. Et donc, tu peux vraiment un peu plus t'amuser avec. Là, c'est un virage assez serré. On va en sortir d'un coup. J'adore. Et même quand tu prends les virages, c'est incroyable à quel point c'est un nouveau système. T'es pas du tout habitué au fait qu'il y ait deux moteurs et qu'ils bossent un peu ensemble comme ça. Mais tu t'y habitues assez vite. C'est assez intuitif. Ça se dit en français, ça, vraiment? Ouais, intuitif. Ouais. C'est assez intuitif. Et après, quand tu accélères, quand tu veux accélérer, il y a de la puissance. Hein. Et tu peux sortir des virages complètement de travers. Là, quand même, on fait 70 km/h sur la mer. Bon, ben voilà, j'ai conduit la Tesla Model 3. On est parti après avec un pilote professionnel. C'était plutôt pas mal.
Mec, c'est incroyable. Oh le malade, comment il fait ça? T'as un petit peu froid peut-être? Ah mec, j'ai voulu être proche de la voiture. Je l'ai été un petit peu trop. Oui, clairement. Un petit peu trop. Genre, il est vraiment recouvert. Regarde, genre, je crois que j'ai plus de neige. Regarde la neige sur l'objectif. How close, yeah. On fait 100 km à l'heure sur un circuit. C'est impossible. Là, mec, par contre, là, c'est impressionnant. Là, par contre, c'est vraiment impressionnant. Déjà, j'ai eu le temps de mettre ma ceinture en fait, comme un connard. Tu vois, tout à l'heure, j'allais pas bien. Le mec, c'était un fou furieux. Bref, on est là maintenant avec la Tesla qu'on vient de conduire. Et c'était juste pour vous dire merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Il est où, Romain? On te dit tous merci de m'avoir invité sur ce voyage. De rien, je suis congelé. Il est congelé, mais merci à lui. On le renferme. Au revoir, monsieur. C'était super, donc merci de la part de Romain. Si vous le connaissez pas et que vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, comme j'ai dit au début de la vidéo, sa chaîne sera en dessous dans la description. J'ai la main honnêtement congelée. Donc je vais finir cette vidéo ici. Merci encore une fois, les gars. Ça me fait toujours super, super plaisir. Et on fera beaucoup plus de vidéos ensemble au bout d'un moment. Et juste merci en général. C'est super. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Like si tu as kiffé la vidéo. On se verra bientôt. Ciao, ciao.